Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la découverte de Monochrome Mobius, Rights and Wrongs Forgotten. C'est un JRPG développé par Aqua Plus et édité par DMM pour sa version PC, Nice America pour la version console. Il fait partie de la série Utaware Rumono, dont il vient commémorer le 20e anniversaire. Il est un petit peu passé entre les mailles du filet parce que malheureusement pour nous, le jeu n'est pas traduit en français, mais il n'en reste pas moins très intéressant. C'est en tout cas ce que j'ai pu voir avec quelques extraits, et je vous propose de le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. On va jouer en normal, hein. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Tous les circuits sont opérationnels. Maintenant, entre les coordonnées. C'est la porte des étoiles ou quoi? Ça devrait faire l'affaire. Il ne reste plus qu'à la destination de s'ouvrir. Père, quelqu'un arrive. Il nous faut encore un peu de temps. Bon, il lui dit de suivre ses indications si le pire arrivait. Tout n'est pas perdu. La porte est en train de s'ouvrir. C'est l'heure. Est-ce que vous alliez quelque part, camarade Pashpakour? Shantura-sama-no-migi-ude-ni-shite-ichi-no-birata. Ok, apparemment ce sera un traître. よくぞここまで騙し通せたものだ。いや、さすがと言うべきか。だがその罪、万死に値する。 Prends ça et pars devant. Je te rattraperai. Je ne peux pas te laisser, père. Rattrapez-la, ne la laissez pas s'échapper. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Une dernière question avant que tu meures. Où as-tu envoyé la fille, notre Lavenderna? Tu as donc décidé de ne pas parler. Mmh.
シャントゥーラ様の名において我マヤカウアが裁きを下す。Évidemment, on tue toujours au nom de quelqu'un. Pardonne-moi, Torikori. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Oshitor, Nekone. Prenez soin de votre mère. Ah, son fils. Des daikon, ok. C'est quoi ça, c'est radiaque des fesses? Bref, ils vont servir Danka à maman, pas de cadeau. Alors, on attaque direct avec un petit combat. Alors, l'anneau d'action en haut à gauche. Ok, en gros, c'est une barre d'ITB. Et ça défile dans le sens des aiguilles d'une montre, très bien. Relativement à la vitesse du personnage. Parfait. C'est très clair. Des gemmes, les types de gemmes. Donc ça apparaît sur l'anneau d'action après certaines actions. Comme défoncer des ennemis ou faire un critical strike. Un coup critique, pardon. Il y a trois types de gemmes, chacune avec un effet différent. Il y en a une qui booste le zeal, l'autre qui restaure les MP et l'autre la Stagger Resistance. Ok, on verra ce que c'est. Et donc un allié qui récupère une de ces gemmes en bénéficiera évidemment. Celle-ci disparaîtra. Elle ne semble pas s'appliquer aux ennemis. Très bien, c'est vachement speed, hein. J'aime bien. Ok, une première compétence relativement basique, certes, mais c'est la première. これで最後か。妙に息がいいというか、手ごわかったが。Ah, Nekone, c'était l'autre enfant. Donc ça, c'est sa petite sœur. Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ok, Holo nous recherche. Il a besoin qu'on l'aide pour quelque chose. Merci de m'avoir prévenu. Je suis ta sœur, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Très bien, je vais me mettre en route. Est-ce que je peux venir avec toi? Moi aussi? Bien sûr. Allons-y ensemble alors. Alors, les destinations.
On a une minimap, évidemment. Ok, bon, tout ce qu'il y a de plus classique, on n'a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Bon, alors techniquement, le jeu casse pas des briques, mais c'est tout à fait correct. Ça manquerait d'un petit peu de finesse. En tout cas, pour la version PC, PS5, on doit avoir à peu près un équivalent hein, sur ces deux plateformes. Ok, du minerai. Après, bon, dans les JRPG, tout ça, c'est pas vraiment ce qu'on attend. Des graphismes impressionnants, c'est pas ce qu'on cherche. Pour information d'ailleurs, je joue avec une manette PS4 sur PC ici. Et elle est totalement reconnue. Hein. Les combats sont expéditifs, j'aime bien. Qu'est-ce que ça dit dans le menu? Statistiques. Bon, la tronche du personnage, je suis pas spécialement fan, mais il y en a peut-être qui aimeront. Donc, Hochtor, level 1. Parfait. Il est bien le menu par contre, hein. J'aime bien. Des consommables. Les skills, évidemment. L'équipement. Les BP. D'accord, ça, on va certainement en récupérer quand on passera des niveaux. Et les infos, destination, les requêtes, donc certainement les quêtes annexes. Ça, c'est un petit résumé de l'aventure. Le tutoriel, le glossaire. Parfait. Alors, il faut que j'aille, je présume, en haut à gauche. Let's go. On peut courir. D'ailleurs, il y a une jauge d'endurance, mais elle a l'air de durer extrêmement longtemps. Et ça, ça fait plaisir, parce que des fois, on a des jeux où la jauge d'endurance, mais elle se vide en un rien de temps. Genre, le mec, il peut courir 20 mètres et après, il est crevé. Ça n'a aucun sens. La musique est sympa, mais elle me restera pas en mémoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais non! Ah, je peux taper dans l'environnement. En fait, ça, c'est pour redescendre. Donc, le point où je dois aller, c'est plutôt la petite flèche jaune. Mais c'est pas grave, je vais me balader un peu quand même. Du coup, là, je l'ai pris un petit peu par surprise, non? Au niveau de la caméra, c'est vraiment pas mal. Hein. On n'est pas gêné plus que ça, elle est plutôt bien gérée. Il faut le souligner, c'est important. Ah, tout ce que j'aime, des coffres, du foca. Très bien. C'est quoi ça? Ça, c'est pour save. Minou, minou. Un poisson. Oh, j'ai hâte de voir de nouveaux skills. Alors, level up. Voilà, les points bonus, ils sont là. On n'a pas le speed. Très bien. Je vais mettre en attaque. Ah oui, d'accord. Deux points pour passer un niveau d'attaque. Parfait.
いい流れだな。いいものが取れるか。D'accord, il y a un rocher qui bloque le passage. Exo ! Du coup, on passe par là. Ouais, l'angle de vue est vraiment sympa. On voit bien l'environnement. Ça, c'est très cool, hein. Aïe ! Ok, ça aussi, c'est bloqué. Bon, bah, il me reste qu'un seul chemin. Et ça me va bien. Et Nakamui. Ah, j'aime beaucoup l'ambiance du village. C'est très apaisant en fait. Le magasin d'outils. Ça ressemble pas tellement à des outils, mais pourquoi pas. C'est quoi ce prix? C'est bien trop cher pour des légumes. Et la viande, n'en parlons pas. Ce n'est pas du tout dans mon budget. Désolé, mais les récoltes ne sont pas bonnes. Je n'ai pas eu d'autre choix que de monter les prix. Il lui propose des crabes de terre. Qui eux sont très bons pour les sushis. Et bon marché. Ça s'appelle des gigiri. Mais c'est très long à préparer. Elle demande une remise, comme c'est une bonne cliente. Malheureusement, il peut pas. Faut bien qu'il vive lui aussi. Donc peut-être que le holo, il veut qu'on voit ce problème de viande et de légumes qui sont trop chers. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire face à cette situation? C'est ça qu'il nous faut, un potager comme ça dans un jeu là. Ils sont extrêmement bien faits. Attends, c'était quoi cette baraque? Ah non, c'est ça. D'accord, les événements récents qui se sont passés à Enakamui. Et les requêtes. Mais il n'y a rien pour le moment. Merci d'être venu, Oshitor. Laisse-moi aller directement au but. De qui parle effectivement de l'augmentation des prix des produits frais. C'est très inquiétant. Et ça ne concerne pas qu'Enakamui, mais également les royaumes voisins. Ce serait dû aux animaux sauvages, entre autres. Ouais, comme on a rencontré les daikons, les espèces de bestioles dont on voit les fesses, là, c'est peut-être une des raisons. Normalement, on n'en voit pas dans ce secteur, apparemment, en tout cas, pas autant. La cour impériale aurait envoyé un message à Iwaraji
En tout cas, concernant ces monstres. Mais il a sous-estimé la gravité de la situation. Donc vous voudriez que je fasse quelque chose à ce sujet. Bien entendu, il ne s'attend pas à ce qu'on règle le problème tout seul. Mais il souhaiterait qu'on investigue. Et il veut nous aider, le petit Kiryu. Mais c'est non, et en plus il a pas fait ses devoirs. Ok, on commence par aller visiter la ferme qui s'est plaint des dégâts. Bon, ça j'avais déjà vu, c'est pour courir. Ça va, les séquences de dialogue sont pas extrêmement longues. Elles sont bien dosées, en tout cas, pour le moment. On verra par la suite. Tiens, il y a un magasin d'armes là, non? Practice Sword. On passerait à 30 d'attaque au lieu de 21, mais j'ai pas de thunes. En tout cas, pas assez. Ouais, ça vaut pas grand chose pour le moment, ça. Hein. Sauf ça. Donc, ça restaure 40 points de vie à 3 personnages en combat. Très bien. Ah oui, on peut sauter aussi, c'est vrai. Ce sont des dindes, je crois. En tout cas, de sortes de dindes. Ah, ce serait un orc qui aurait fait ça? Mais d'où est-ce qu'il viendrait? On n'en a jamais vu dans le coin avant. Les traces de crocs, de dents et les griffes sont bien trop grosses. Ça correspond pas à un orc. Heureusement qu'on n'a pas amené Kiryu. On va aller vérifier les champs. Monsieur Ostor, jetez un œil. Des empreintes. Elles sont bien trop grandes pour un orc. Mais jamais les orques ne vont saccager des champs. Ouais, ils attaquent les bestioles, pas les plantations. Quelqu'un les aurait détruites volontairement? Ces empreintes, elles ressemblent à...
Toi, espèce de voleuse. Attends. Elle est rapide. Par là peut-être? Yes. Tu ne viens pas d'Enna Kamui, vu ton accoutrement. C'est toi qui as détruit les plantations? Père? Nani? Mais qu'est-ce que tu... Oui, c'est toi, Oshitor. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te poser quelques questions. Non, non. Tu dois d'abord prouver qui tu es, Oshitor. Mais j'y comprends rien. Les animations sont vraiment très cool, hein. Tu es plutôt balèze. On ne doit pas juger un livre à sa couverture. Mais bref, qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi tu te retiens? Ce n'est pas ce qu'un Mononofu devrait faire. Un guerrier Mononofu attaque toujours avec toutes ses capacités. Et de sous-estimer un adversaire est arrogant et honteux. C'est ce que mon père m'a dit. La manière dont tu parles m'est étrangement familière. Tu ne suis pas ses règles, Oshitor? N'es-tu pas le fils de mon père, Pashpakur? Le devoir d'un Mononofu n'est pas de se battre pour lui-même, mais pour ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Père? Un instant. Comment est-ce que tu connais le nom de mon père? Il est mort quand j'étais petit. Comment pourrait-elle le connaître? Pourquoi tu demandes? Si tu n'es pas son fils, la réponse ne t'intéresse pas. Ta manière de parler, j'ai encore plus de questions désormais. Très bien, faisons comme tu l'as dit. Oshitor, fils de Pashpakur, te défie.
そうそう、それでこそ父様の息子だね。ならば、パシパクルな娘、シューニャ、押して参るぞ。話を聞かせてもらう。Alors, il y a plusieurs vitesses d'anneaux. Effectivement, il y en a un qui est très grand, les autres plus petits. Donc, celui qui est le plus petit est évidemment le plus court. Et donc, on pourra agir plus souvent. D'accord, il faut utiliser la commande Ascend pendant un Overzeal. Ah oui, ok, c'est une espèce de limite, la manière d'un Final Fantasy. On prend des coups, on en met, ça remplit la jauge d'Overzeal. On va voir ça. C'est intéressant comme système. En mettant plusieurs attaques à un ennemi, bah on va l'envoyer dans les vapes. Donc la stagger résistance, elle est très importante finalement. Allez, c'est parti. Ah bah là, je l'ai mis un peu dans les vapes. Overzeal, R1. Stylé. Donc là, je peux passer en Ascend. Voilà. Tu as dit que ton nom était Shunya. Est-ce que tu vas me répondre désormais? Enfin, tu te bats normalement. R approuverait. Désormais, elle va plus se retenir. Ce n'est pas une Mononofu. Tu te moques de moi? T'avais pas l'air de te retenir pourtant. Tu vas goûter un peu à ma vraie puissance. Tu peux utiliser la magie? Les effets sont plutôt sympas. Avec le sound design qui va bien, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. Cool. Bah encore de l'attaque, tiens. Le combat est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Je n'ai pas encore perdu. Est-ce que tu es satisfaite? Allez, il est temps de parler. Cassé.
Tu l'as cassé. Tu as cassé le pendentif que mon père m'a donné. Il est cassé. Attends une minute. Arrête de pleurer. Attends, je vais le réparer. Regarde, il est comme neuf. Oui, oui, c'est ma faute. Je suis désolé. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît. Tu es le fils de mon père, Pashpaku. C'est pas plus simple de dire tu es mon frère. Au moins on est d'accord là-dessus. Mais je pense tout de même que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Tu as la même couleur que mon père. J'ai tout de suite su que tu étais Oshtor. La même couleur? Le nom de mon père était bien Pashpakur. Mais il est mort lorsque j'étais enfant. Je pense que c'est une simple coïncidence que ton père et le mien aient le même nom. Je t'attendrai ici cette nuit. Attends. On t'a trouvé. J'étais inquiète parce que j'ai entendu que tu courais après quelqu'un dans les montagnes. Désolé de t'avoir inquiété. C'est un monstre ou quelque chose du genre? Malheureusement, je l'ai perdu. Allez, rentrons avant qu'il ne fasse trop sombre et que mère s'inquiète. Oui, rentrons. La même couleur. Pashupakuru dono no ihatsu to narimasu. Sou desu ka. Alors il n'est plus avec nous. Je n'y crois pas. Père ne peut pas être mort. Menteur. Menteur, menteur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un jour comme un autre, puis le messager est arrivé. J'étais convaincu qu'il ne pouvait pas mourir, que c'était impossible. Ça m'a pris très longtemps de l'accepter.
Je n'y croyais peut-être pas parce que je n'ai jamais vu son corps. Pourrait-il être encore en vie ? Et si c'était le cas, pourquoi ne revient-il pas ? Ou au moins, pourquoi n'essaierait-il pas de nous contacter ? Ça n'a aucun sens. J'ai comme l'impression que quelque chose m'échappe, quelque chose d'important. Elle parlait de lui comme son père, mais elle semble aussi plus âgée que Nekone. La fille de Pashpakur. Aurait-il pu avoir une fille plus âgée dont il n'a jamais parlé ? Qu'y a-t-il, Oshitor ? Tu es tout pâle. Rien du tout. Je ne peux pas lui dire. Hors de question que je parle de ça à mère. Je vais prendre un peu l'air. Tu sors à cette heure ? Moi aussi, je veux faire un tour dehors. Il est trop tard pour toi. Tout ira bien, mais fais bien attention à toi cette nuit. Je reviens tout de suite, mère. Pardon, mais ce jeu a l'air totalement incroyable. Et du coup, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour la petite découverte. Vous ne saurez pas ce qu'il va se dire avec sa potentielle sœur. Pour ça, si vous voulez en savoir plus, il faudra faire l'acquisition du jeu. À moins que je le fasse sur la chaîne un de ces quatre. Dans tous les cas, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Pour ma part, je suis convaincu. Le scénario a l'air relativement intéressant, le gameplay l'est tout autant. Pour moi, le jeu réussit son pari. Pour rappel, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5 depuis fin 2022. Mais bref, si cette découverte vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce sur la vidéo, voire à vous abonner à la chaîne si les vidéos qui sont dessus vous plaisent évidemment. Je vous laisse une petite playlist en haut avec les autres découvertes de la chaîne, et on se dit à très bientôt pour d'autres titres. D'ici là, portez-vous bien, allez ciao, bye bye!